Avec une poignée de femmes des banlieues, Fadela Amara lance, au printemps 2002, un appel dénonçant le machisme et les violences masculines. Quelques mois plus tard, la marche des femmes contre le ghetto et pour l'égalité démarre. Elle s'achève à Paris, le 8 mars 2003, en rassemblant plus de 30 000 personnes. Avec des comités dans toute la France, Ni pute ni soumise est un mouvement citoyen qui lutte pour les valeurs républicaines et qui s'est imposé sur la scène nationale et internationale. Fadela Amara en est aujourd'hui la présidente. Voilà la maison des potes. Donc, et là, ici, par contre, c'est là où tout a commencé. Voilà. C'est historique ici. Hein. C'est d'ici qu'est parti, je dirais, ce qu'est devenu le mouvement Ni pute ni soumise. Hein. C'est là qu'on a accueilli des filles qui étaient en difficulté. C'est là où on a pensé comment on allait mettre en place un projet justement qui mette en mouvement des femmes et des filles des cités pour lutter contre le machisme dans les quartiers.